Coucou ma fille. Alors là, j'ai suivi vos conseils les filles. J'ai pas fait faire la sieste ce matin pour voir si elle va me faire une petite sieste cet après-midi. Voilà. Il y a plein de mamans qui m'ont dit Sarah, fais pas la sieste le matin, tu vas voir l'après-midi et tout. On va tester aujourd'hui, hein ma fille. Tu vas faire. Je suis toute rouge là parce que je suis en train de m'amuser avec elle. Hein? On va tester. On va voir. Là, dans pas longtemps, elle va maman. Et ensuite, cet après-midi, on fait une petite sieste. On verra. Si Liv, si elle ne me fait pas une sieste cet après-midi, je vous défonce. Parce que si elle n'a pas fait de sieste ce matin, cet après-midi, en fin de journée, elle va être laisse tomber dans un état chouineuse. Donc voilà. Ah non, ah non, non, non. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. C'est la pépette qui vote, 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 qui vote. Et vous, vous avez prévu quoi de votre journée? Alors moi, là-bas, je devais sortir. Je voulais aller faire les boutiques pour bébé, tout ça. Sauf que franchement, je vous dis la vérité, j'ai trop la flemme. Voilà, je me suis préparée, je me suis mis en jogging et tout, mais j'avais trop la flemme. Et puis, j'ai envie de tester sieste l'après-midi. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Donc voilà, j'avais vraiment genre trop la flemme. Puis là, j'ai les volets un petit peu fermés parce qu'il y a encore les travaux en extérieur de chez moi. Donc voilà. Et comme ça, on ne voit pas l'intérieur de chez moi, quoi. Je suis tranquille. Parce qu'il y a des travaux. Et puis ça fait du bruit. Là, ça, on ne l'entend pas, je crois qu'il s'en pose. Mais ouais. Donc j'avais trop la flemme. Il y a peut-être ma mère qui a passé... nous voir cet après-midi. Et voilà. Sinon, demain c'est samedi. Je sais même pas. Et on fait rien pour le jour de l'an, nous. On va pas sortir, on va rester à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Hein? On va fêter le jour de l'an ensemble? Amine, je viendrai te réveiller dans ton lit. Allez, on est en 2024! Ouais! Vous avez vu que là, elle tient debout. Elle est debout. Voilà, elle se tient à la table. Le téléphone, on a dit non. Ça, je vais t'apprendre. C'est interdit. Le téléphone, c'est le travail. Si. Voilà, elle va pas tarder à vouloir ma maman. Qu'est-ce qu'elle bouge? C'est un asticot, les filles. Dans la voiture et l'éléphant. 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 Non, mais MDR, les gens. Ils me font trop rire. On va faire le ménage, casseuse. Mais c'est toi la casseuse. Ça se tend que ton enfant est dedans pour faire le ménage, casseuse. En plus, vous savez, quand on a nos règles, on est dans un état. Et les hormones, elles sont en plus. Ouf. Bon, sinon, je vais faire l'atelier. Je vais refaire l'atelier peinture propre avec Alia. Mais cette fois-ci, vous savez, je me suis mis dans le dressing où il y a son tapis de jeu. Parce que je vais le faire au sol directement. Hier c'était bien, c'était la première fois et puis pour qu'elle teste plusieurs fois, je me suis dit bah, je vais le faire à chaque fois, plusieurs fois cette activité qu'elle a bien aimée hier. Donc voilà, et après on va faire une autre activité, je sais pas encore quoi, mais là ça va être encore activité peinture propre, on va tester à même le sol. Franchement ouais. Maintenant, on va voir. J'espère qu'elle va pas me faire la gerbe ce soir parce qu'elle a quand même dormi 2 heures cet après-midi. Mais voilà, franchement, au top. Donc, hop, atelier peinture. Alia est à côté de moi. Elle regarde ce que je suis en train de faire. Bon, voilà, je vais mettre la couleur. Et cette peinture, tout le monde m'a dit c'est quoi comme peinture. Je l'ai achetée à Jouer Club. C'est Gecko, la marque. Et c'est une peinture pour bébé. Peinture à doigts de base. Peut-être je vais du tester après, je vais mettre dans les mains. Bon. Mais cette peinture à doigts, c'est une peinture qui part à l'eau. Et si je l'avais prise, c'était une... C'est une peinture bébé. J'ai plusieurs tâches. Regarde ma fille. Waouh. Rose. On met plusieurs taches de rose. Ouais, c'est une peinture qui part, qui part en fait. Oh, l'autre, elle m'a vénère. Le ménage.
coup, là, déjà, ils sont trop à l'aise avec les insultes. Allez. Alien, on peut savoir où tu vas? Pourquoi tu te faufiles en dessous de mon canapé? Non? Voilà, t'arrives plus à reculer. Tu vas t'énerver dans 2 secondes. Regarde. Oh, waouh! Là, on va faire la peinture. Là. Je vais le mettre comme ça. Bien. Attends, je vais t'approcher. D'abord, maman, elle scotch. Bah, c'était comme moi, la patience, ça fait. Mais vraiment pas bien. Attends. Si je scotche pas, tu vas me piquer la feuille et tu vas me manger la peinture. Mais cette fois-ci, je vais bien. Ça tient pas trop. En fait, ça tient pas dessus. Scotch de merde. Chérie, t'as pas genre du gros scotch? Ouais. Ou alors peut-être si je le mets au sol même. Parce qu'en fait, le scotch là, il se... T'as? Sinon là, je crois que ça tient mieux. Ça tiendrait dessus, tu vois? C'est un truc bon matériel aussi. Ah, vas-y, ah, attends. Non, mais laisse dessus. Ah, laisse le reste. Ah oui, là, tu veux dire? Je sais pas si ça va tenir. Elle est contente. T'as essayé de ne pas trop appuyer là? Non, je ne vais pas du tout. Ça se craque comme ça? Alors? Ah, ça tient. Trop bien. Je vais voir si elle aime le sol. J'ai mis des plus grosses taches, tu sais. On va voir. Ah, que ça tient, parce qu'elle va. Tu la connais. Oula. Allez, à toi, Dia. Vas-y. Nous regarder. Regarde. Oh, pouf, pouf, pouf. Mais tu peux tout. Voilà. Waouh. Waouh. Oui. Allez, tu me refais le même dessin qu'hier. Regarde. Hop. Voilà mon cœur. Waouh. Waouh mon amour. Ça y est. Ouais. Allez, encore. Encore. Ouais. Allez ma fille, regarde. Tic tic tic. Ok. Après, on va essayer un truc. On va voir si tu vas me faire. Regarde. Waouh. Non, regarde là. Ding, 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 ding. La sensation de ta vie, elle est bizarre, hein? Non, tu vois, ce qui t'intéresse, c'est de les prendre. Regarde, viens. Regarde.
En plus, je suis trop bête. Je vais commencer aujourd'hui. Oui. Non, j'aurais dû commencer. Vous vous souvenez, j'avais pris des gummies pour les règles. Pour pas avoir mal au ventre et tout. Mais je les ai jamais prises. Franchement, je suis énervée grave. Donc là, je vais mettre. Ce soir, je vais en prendre deux. Et tous les jours, je vais en prendre deux. On verra si ça a vraiment un effet. Je le verrai au règles du mois prochain. Mais grave. Mais après, c'est ça. En fait, il y a des gens, ils sont trop à l'aise de dire des trucs de ouf. J'ai une team. Rien à dire. Oui. Mais rien à dire. Merci. Merci infiniment. Surtout que tout en propre. Là, c'est mon pyjama de piscine de ce matin. Voilà. Parce que vu que je m'habille dans mon dressing, je l'ai mis là. Bon, après le dessin au sol. Oui, c'est un truc. Je sens que ça va être un grille. Tiens. Oh, lève. Attends, enlève les mâches. Waouh! Allez, on dessine! Waouh! Oh, le pyjama! Bon, c'est un. Non, oh là là! Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que c'est? Très intéressé. Qu'est-ce que. Allez, regarde, on dessine. Waouh. Oh non, Alia. Chérie, viens voir. Okay. Oh putain. Sur le tapis, ça s'enlève. Bah ouais, c'est une peinture à l'eau, mais regarde. Regardez, on est plein de peintures. Franchement, tout est parti, les filles. Avec les lingettes, avec ses mains. Voilà, le petit, je pense, ça va être pareil à machine à laver. Mais voilà, elle est partie. C'est celle-là, la peinture. Là. Danse Alia. Et là on est passé sur une autre activité. C'est l'activité, je sais pas, Montessori. Ouais. Demain, grosse activité. Je vais la mettre en body. Il faut que je trouve une grande feuille blanche. Je crois que j'en ai. Ou alors, j'en scotche plusieurs, chérie. Et je la mets avec la peinture sur la feuille. Super idée. Mais c'est trop bien. Et comme ça, elle va pouvoir s'éclater. Mais ce qui est encore mieux, c'est que je fasse de la peinture comestible. C'est-à-dire colorant, fromage blanc. Mais... Et là, au moins, si elle met la bouche, c'est pas grave. Donc, demain, Alia, tu deviens une artiste. Ça va être Alia Picasso.
Donner à manger à Alia, après son bain et tout. Je rêve d'une chose, c'est après aller prendre une douche et me mettre en pyjama. Bon, ah. Tu veux plus? Donc voilà, je me suis même lavé les cheveux. Ça fait trop du bien d'avoir des cheveux propres. Je les ai juste séchés comme ça avec le lissage, c'est trop la folie. Oui, ça lisse. Demain, je les ferai bien. Voilà, j'ai une tête, je la supporte pas du tout aujourd'hui. Ça, c'est hashtag dame nature. C'est ouf. Dès qu'on a nos trucs, enfin moi personnellement, je ne supporte pas ma tête. Je sais que mes cheveux demain ne vont pas tenir, ils vont être gras. Voilà. C'est les hormones quand ils sont plus, plus, plus. Sinon, je voulais dire merci aux mams qui m'ont donné le conseil de ne pas faire la sieste à Alia le matin et lui faire l'après-midi et que le soir elle est très bien dormir. Ben, elle dort bien. Hein. Enfin, elle s'est couchée tôt, comme d'hab. À 19h, elle dormait. Puis là, elle dort. J'espère qu'elle va faire la nuit. Parce que chaque fois que je dis ça, je crois qu'il y a des sorcières qui font faire le contraire. Non, mais normalement, elle le fait tout le temps la nuit. Donc voilà. Donc, nous, on va se mettre un film. Hier, on a regardé un film. Franchement, il était bien, mais... Comment dire, on s'attendait pas du tout à ça. Donc on était pris dans le film, on n'allait pas l'arrêter, c'était pas la folie. C'est un nouveau film avec Ben Affleck qui s'appelle... comment il s'appelle? Je me rappelle même plus. Hypnotique. Mais c'est quoi ça? Ah bah maintenant je me fais insulter puisque je suis en crop top à la maison. Non mais... Ah mais il y en a qui veulent me faire chier ce soir je crois. Entre l'autre qui me casse la tête parce que la planète, puisque je me balade en débardeur, donc du coup ça veut dire qu'il fait chaud chez moi. D'ailleurs c'est quoi cette bulle là? C'est quoi ce truc là? Et elle qui me dit comment je devrais élever ma fille. Mais débarre. Allez, va là-bas. Allez. Nettoie la douche, éteins le chauffage et voilà. Merci, vous voulez que j'aie me tue. Vraiment, je voulais dire, chacun élève son enfant comme il veut. Vraiment, genre, c'est un truc de fou. Quand on ne les stimule pas, quand on s'en occupe pas, ben, on s'en occupe pas. Quand ils sont à la maison, H24 avec nous, et ben non, les pauvres, on les stimule trop. À un moment donné, il s'agirait de fermer sa bouche. Vraiment. Et de s'occuper de son huc. Parce que ça devient vraiment agaçant. Donc voilà, je m'occupe très bien de ma fille. Et ça, je n'en douterai pas. Et non, c'est un choix. J'ai pas envie qu'elle aille ni à la crèche, ni en nourrice. Je travaille de la maison, donc en fait, je veux qu'elle soit tout le temps avec moi. Et pour ce genre de mams, hyper, hyper bien. Ma fille est très, très, très sociable. Elle voit du monde, on sort. Voilà, j'ai souvent des gens à la maison, donc elle est très, très, très sociable. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Ça y est, vous me tuez, ça y est, j'abandonne ma communauté, vous me tuez.